Bonjour. Bonjour. Présentez-vous à guinée-matin.com. Je suis Piro Kanté, compagnon de l'indépendance, ancien maire, ancien gouverneur de région. Oui, justement, la Guinée célèbre aujourd'hui la 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Votre sentiment aujourd'hui? Mes sentiments aujourd'hui sont différents de ceux de l'an 2016. Oui. Merci bien. Depuis le coup d'État qui a eu lieu de 1984, la Guinée est tombée dans l'oubli, dans le trou. Et je crois que depuis le début de cette année, le président Fakonde est en train de nous tirer de ce machin là. S'il continue sur son chemin, eh bien, tout ira en Guinée. Et voyez-vous. Oui, vous avez participé à l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958. Absolument. Quelle différence il y a aujourd'hui entre cette année, entre cette célébration et cette 59e anniversaire? C'est différent. Parce que là, ce jour-là, il y avait l'enthousiasme, tout le peuple était mobilisé. Tout le peuple. Pas une femme, pas un enfant, pas un vieillard. Tout le monde était dehors pour danser, pour fêter cette chose. Et cela a duré des années aussi. Mais je vous dirai tout de suite, je me répète encore, tout était bien jusqu'en 1984, quand les militaires ont fait leur coup d'état crapuleux. Et alors, tout est venu tomber. Maintenant, je crois que depuis quelques mois, le président Fakonde est en train de relever, la Guinée. Monsieur, son courage, bonne chance. Merci. Merci.